C'est sûr d'oublier celle-là. Hello, bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. On est donc déjà au jour 4. On est dimanche et je vous avoue que c'est une journée très très slow, très calme. Ce matin, voilà, on est posé et tout. Et là, il est 14h26 exactement. Et je me rends compte que bah, si je ne filme pas aujourd'hui, je n'aurai rien à poster demain. Donc ça ne va pas. Donc il faut que je filme un petit peu. J'avoue que j'ai dû un petit peu réfléchir à quoi faire. Parce que j'ai vraiment juste envie de rester dans le canapé avec Charlie, à me reposer. Enfin, voilà quoi. Mais bon, je me suis dit qu'un truc qui pourrait me plaire de faire aujourd'hui, ce sont des petits sablés de Noël, etc. J'en fais chaque année. Je pense que d'ailleurs, je le fais souvent dans un vlog. Je crois, oui. Bref, voilà, ces petits biscuits avec les petits emporte-pièces de Noël. C'est toujours très très bon. C'est sympa à faire. Et donc, je vais faire ça maintenant. Niveau recette, moi, je prends la recette marmiton, si vous voulez. J'essaierai de penser à la mettre en barre d'infos si vous la voulez. Mais donc, rien de foufou. Donc, j'ai pas tout expliqué, etc., les étapes de la recette, parce que vraiment, ça... C'est la recette de Barbiton. Petite assistante qui est venue m'aider. Voilà, la pâte est pratiquement prête. Enfin, elle est prête en fait. Il conseille de la mettre un peu au frigo. Donc je vais appliquer le conseil. Par contre, on a dû rajouter de la farine par rapport aux quantités de la recette parce que c'était vraiment trop, encore trop collant, liquide comme ça. Tu fais de la musique, Charlie ? Et aussi, j'ai rajouté de moi-même de la poudre d'amande et un peu d'extrait de vanille, si jamais. Voilà. Je mets ça au frigo. Bon, pendant que la pâte est au frigo, je me dis qu'on peut ouvrir les calendriers de l'Avent. En plus, j'ai justement envie d'un petit thé. Mais on va commencer quand même par mon calendrier de l'Avent féminin sacré. Alors, jour 3. À une main, c'est pas évident. Attendez, je vous dépose. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un QR code vers une méditation guidée. Qui aide à s'endormir, de Morphée. Je sais pas si vous voyez, c'est la marque qui fait des petits appareils comme ça avec des méditations, et nous on a justement le petit Morphée pour Charlie. C'est cool en vrai. Je pense que je vais essayer de la faire ce soir. Et alors dans le calendrier Palais d'été, qu'est-ce qu'on a? Où est le numéro 3? Là. Alors, jardin à la française, poire et feuilles de mûrier. Infusion gourmande. Ah bah écoutez, je vais me faire ça tout de suite. Je viens de voir qu'ils avaient mis des petites citations ici. J'aime bien les citations, donc voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait du coup dans les autres? Découvrez chaque nouveauté et une pensée. Ah, non, ça c'est pas vraiment une citation. C'était le 1, et alors le 2 ici. Qu'est-ce qu'on avait? Oula, c'est plus long. Bon, je vous laisse lire tout seul. Voilà, voilà. Bon. Je vais sortir la pâte du frigo. Bon, il y a un truc qui va pas avec ma pâte, elle est trop collante, alors que j'ai déjà mis plus de farine que ce qui était dans la recette, et je sais que normalement la recette est ok. Donc je commence à me demander si... Non, j'ai tout mis. Je vais mettre plus longtemps au frigo, peut-être que c'était pas assez long. Puis je réessayerai genre plus tard, vraiment, genre je vais laisser vraiment plus longtemps, on verra au moins une heure. Et si là c'est toujours trop collant, je rajouterai encore de la farine. On verra, trop bizarre, c'est la première fois que je galère avec ces petits biscuits.
Du coup, à la place, pendant ce temps-là, je vais bosser sur le vlog d'hier que je dois donc poster aujourd'hui. Je dois encore faire la miniature et tout, donc voilà, je fais ça. Charlie est à la sieste. Donc on est un petit peu en mode posé. Regardez, il neige. Il y a des beaux flocons quand même. Ça tient tout petit peu là sur la terrasse, mais je l'envoie sur le barbecue. Mais à mon avis, ça va quand même pas, ça va pas tenir full. Mais on voit de la neige, c'est cool. Bon, et cette pâte à biscuits là, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que je vais réussir à faire quelque chose? Il y a peut-être moyen. On va voir. Voilà, ils sont très jolis. Maintenant je vais ajouter du jaune d'œuf au pinceau sur tout et je vais mettre au four. Bon ben regardez, finalement ça tient assez bien, il commence à faire tout blanc. C'est chouette à voir, mais bon, vu les températures annoncées, ça tiendra pas la nuit, c'est vraiment triste. Mais voilà, un peu d'esprit de Noël. Tadam! Ils sont trop mignons. Ouais, ils sont bons. T'as hésité? Ouais, j'ai fait des semblants. Ouais, ils sont bons. Au menu ce soir, c'est riz, sardines préparées un peu en sardinade comme ça, et des concombres marinés. C'est assez basique et ça ne ressemble un peu à rien comme ça, mais... mais c'est très bon, c'est un peu basé sur une recette que j'avais vue sur Insta.